Salut tout le monde, c'est Oswald. Eh ben, on se retrouve donc pour le début du tournoi de la semaine. Attaque de ruée 5 étoiles, si je ne m'abuse, c'est ça. Donc ma défense, c'est celle-ci. J'ai donc le bleu est interdit, donc forcément j'ai mis deux rouges, des rouges utilisables en attaque de ruée, j'en ai pas énormément. J'excède de la Hazelar et Chevalier Noir. Et voilà, j'avais aussi envie d'utiliser Xnolfad en healer, j'avais envie bien entendu d'utiliser comment elle s'appelle? Alfric, je vais y arriver. Et je voyais moins d'utilité à utiliser Bertilla. Donc du coup j'ai doublé aussi le bleu. Qu'est-ce que ça a donné jusque-là? Une victoire, une défaite. Ok. Une autre équipe, ça donne quoi? Du full rouge. Ok. Tiens, c'est l'équipe que je pourrais faire. Bref. Donc allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau de l'attaque. Avant, petite parenthèse. Déjà, on recrute toujours. On est toujours à 26 membres sur 30. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre à Cadoc. C'est actif, c'est bonne ambiance. Voilà, on accepte un petit peu tous les niveaux. Et voilà, n'hésitez pas à venir. Petit 1. Petit 2, comme vous avez vu, il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment. Pas trop le temps déjà, et en plus sur le temps qui me restait, bah, j'utilisais à jouer pas mal un autre jeu dont vous avez certainement déjà entendu parler, parce qu'il y en a de plus en plus qui jouent à ce jeu, c'est Call of Anthea, qui est franchement quelque chose de très sympa. Donc je vais essayer de faire aussi quelques vidéos sur Call of Anthea. Je vais partager un petit peu du coup la chaîne entre Empires & Puzzles et Call of Anthea. Pas tout de suite, tout de suite, j'attends d'apprivoiser un petit peu mieux le jeu, de comprendre un peu mieux les mécaniques, histoire de pouvoir savoir un peu mieux de quoi je parle, quoi, et de ne pas être en totale découverte en même temps que je vous fais les vidéos. Donc voilà, d'ici peu, il y aura quand même pas mal de contenu sur Call of Antia aussi. D'entrée de jeu, les premières impressions, c'est que c'est assez sympa. Il y a clairement des similitudes avec Empires & Puzzles. On retrouve les mêmes couleurs, hein, le feu, la nature, je sais plus si c'est sacré sur Call of Antia, le jaune. Et ténèbres, le violet, je sais plus, en tout cas c'est les mêmes couleurs. Pardon. Première différence, assez notable, vraiment très notable. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à jouer, j'ai joué 4 ou 5 fois jusque-là. Et en total free-to-play, je tiens à le préciser, en total free-to-play, j'ai déjà 2 héros 5 étoiles, 5 je crois héros 4 étoiles et pas mal de héros 3 étoiles. C'est vraiment une différence qui est extrêmement notable. Avec Empires & Puzzles, au bout d'un certain nombre d'invocations, vous êtes sûr et certain d'obtenir un 5 étoiles. Et voilà, les ratios sont carrément pas les mêmes, sont beaucoup plus élevés. Et voilà, je vous dis, en 3-4 jours de jeu, en free to play, j'avais déjà un 5 étoiles, pardon. Et j'en ai eu un autre hier, je crois. Ou tout à l'heure, je sais même plus. Bref. Voilà. C'est quelque chose qui est franchement appréciable. Il y a des mécaniques de jeu qui ont l'air franchement sympas. Pas mal de différences quand même, même si ça reste sur la même base, on va dire. Voilà. Dès que je maîtriserai un petit peu plus, je vous ferai du contenu là-dessus. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va partir sur les attaques. Ok, donc forcément j'ai envie de partir en jaune là-dessus. Les deux verts sont sur les côtés. Ouais, on va la tenter en jaune. On va la tenter en jaune. On la tente en jaune ou on la tente en jaune-rouge? C'est dangereux de la tenter en jaune et rouge avec Ursena parce que si je pars avec du jaune, faut vraiment que je puisse m'en débarrasser très vite parce qu'elle va faire elle va me faire très mal si je me la fais pas quoi. Allez, si je vais partir en jaune. On va partir en jaune et je vais partir avec mon nom à peu près habituel. Je vais emmener Sif.
Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Il me semble qu'il y a des héros qui tapent tout le monde. Je vais vérifier ça après. Allez, Xenolfod et June. Là, tout le monde est en très rapide, y compris Vika. Donc, je vais plutôt donner ça à Sif. Va prendre la 9. Hop, voilà. Ok, on va faire comme ça. Ouais, il y a 3 héros qui tapent sur plusieurs personnes. On va y aller comme ça. C'est pas top. C'est pas top. J'ai que 2 tuiles sous. Comment ça s'appelle? Sous la mise là, c'est pas exactement comme ça que j'entendais, mais c'est pas grave. Voilà, très bien, très très bien. On va débuffer la défense, on va taper sur Ursela. Hop. Elle se suicide, c'est parfait. Hop. Elle s'est suicidée aussi. Je peux recommencer Sif. Je vais taper directement lui, j'ai pas envie qu'il revive qui que ce soit. Petit bug là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, je suis teubé quand je m'y mets. Ah, je suis complètement idiot. Je suis complètement idiot sous l'effet de. Ah la vache! Même l'effet de Vivica, ça le renvoie. C'était absolument pas prévu ça. C'était absolument pas prévu. Forcément. Il a ramené tout le monde. Même l'effet de Vivica est renvoyé par tout le monde. Alors ça, je m'y attendais pas. Enfin, même le debuff, en fait, du coup, le retrait des bonus en fait, esquiver du coup, c'est très emmerdant. Hop, on va ghoster ce que j'ai besoin absolument de redéclencher. Oh non! Ah, j'ai cru que c'était. Non, mais non, mais non, c'est pas possible. On tue Vivica juste avant que je la déclenche. C'est malheureusement perdu. Là, j'avais vraiment pas pensé que l'effet d'Ursena empêcherait de retirer les bonus. Ça m'étonne vraiment, j'étais jamais tombé là-dessus. Bon bah c'est une misérable défaite. C'est une misérable défaite. Est-ce que j'ai loupé quelque chose là? Est-ce que c'est pas autre chose qui a empêché le retrait des bonus? Parce qu'une esquive de Cadillane éventuellement, oui, ça peut empêcher le retrait des bonus. Mais je pensais vraiment pas que le renvoi ferait ça, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. J'aime pas commencer comme ça.
Si je pars en rouge là-dessus, je serai faible contre personne. Ce qui va me permettre d'utiliser un petit peu Yang Mei, quoi, de la mettre un petit peu au banc d'essai. Je suis en train de la terminer. Je préfère quand même Boltos qui est en très rapide. Son soin sera plus efficace. Ma petite Marjana, bien entendu. Je peux pas partir sans Azlar là-dessus. Je peux pas partir sans Azlar, tant pis, c'est un mec qui va en faire les frais, de toute façon elle est pas encore assez forte. Azlar, c'est parti. On va laisser la troupe 25 à Boltusk. Bon, très rapide, je laisse comme ça. J'aurais peut-être dû le mettre sur la mise comme d'hab, sur Gefion. La troupe ninja. Là, j'ai envoyé comme ça en fait parce que si j'avais balancé le match vertical, toutes les tuiles allaient sur Azlar, et je pense que qui déclenchait. Donc là, ça me permet de le terminer avant qu'il déclenche, je pense. Ouais, c'est bon. Petit rouge en dessous là, non? Forcément, c'est hallucinant. C'est juste hallucinant en... Comment ça s'appelle? En... Oh, je vais y arriver. En ruée, le taux de revive en fait de tout ce qui est Alberich, Heimdall et Bernor, c'est encore pire sur Heimdall en fait, parce qu'il a d'habitude un taux qui est franchement pas top du tout. Oh non, j'ai oublié, je voulais la cibler elle. C'est bon, j'ai tout faux là. Ça fait mal. Pas Boltusk. Ok. On va aller se débarrasser d'elle. Reboost. Ça, on va envoyer par là. J'aurais peut-être dû d'abord envoyer Gefion, tiens. Hop, on va envoyer ça. Et le coup final. Non, c'est bon, même pas besoin. Le coup final était déjà donné. Je suis fatigué. Bon, au moins la deuxième qui passe. Ensuite, bah rouge, hein, clairement. Clairement du rouge. Ouais, on est reparti avec ça. J'ai ce match vertical, bien entendu. J'aimerais bien faire remonter aussi ailleurs. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Il y avait une raison qui me paraissait valable sur le coup. Et puis là, elle me paraît plus du tout valable. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Un petit coup d'Azlar direct.
débarrasse d'elle. Zenobia, est-ce que ça suffira pour lui? Oui. C'est elle maintenant qui va emmerder le plus. Hop, on gosse 4 tuiles. Du coup, j'ai tout le monde qui est là à nouveau. Hop, faut que je renvoie tout. Tac. Très bien. Bon, là, le puzzle était clairement avec moi. Allez, encore deux. Basique, hein, j'ai envie de dire. Une Elfric au centre avec deux jaunes à côté. Ah, ça fait mal de crâne. Ça fait mal de crâne parce que j'aurai du mal à me débarrasser des deux jaunes. Mais clairement, c'est quand même en jaune que je vais aller parce que je préfère galérer contre Vivica et Sif que contre Alfric. Faudra vraiment que je me décide à faire justice. Et bon, j'ai plus les matériaux nécessaires. Là, je suis en train de me tâter d'un coup. Est-ce que j'emmènerai pas Est-ce que j'emmènerai pas Inari? Elle manque encore d'emblèmes. Il manque encore trop d'emblèmes. Mais du coup, en très rapide, ça peut être intéressant. Il y a qui frappe tout le monde là? Il n'y a que deux frappeurs en soi. Deux frappeurs en soi. Vas-y, on va être fou, on va emmener Inari, histoire d'utiliser un petit peu. On fait des tests. Mais Vivica va retirer. Vivica va retirer le. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, ça va, je peux pas lancer avant et elle meurt. Ouf. J'ai cru qu'elle allait déclencher tout de suite à cause du combo. C'est le genre de truc qui m'aurait un peu énervé. D'abord envoyer ça, voilà, histoire de ne pas prendre leur tour de flamme avec la miss et je vais taper de ce côté-là. Déjà, de toute façon, on va même lui envoyer le renvoi de dégâts. En même temps, on débuffe la défense. On va commencer direct par Inari. Lui, d'entrée de jeu, je ne veux pas qu'il m'emmerde. Donc je m'en débarrasse. C'est lui qui a mangé. Ok, déjà ça c'est fait. Hop, tout le monde qui a esquivé, c'est cool. Et là, ils sont trois à avoir esquivé le retrait des bonus, ce qui est tout aussi cool. Ok. On voit des buffs. Tac, tac. Ah, il a esquivé le truc, lui. On va se débarrasser tout de suite d'elle. On va taper sur lui. Hop.
Est-ce que ça suffira ça? Ouais, très bien. Parfait. Du coup, il y a eu pas mal d'esquives, hein. Inari est vraiment sympa. Inari est vraiment sympa. Le petit gain de mana avec les sbires est plutôt cool aussi. J'en suis assez content pour l'attaque. J'ai du mal à y croire en défense en fait. C'est trop une chips. Je peux pas lui donner d'emblème. Du coup, j'ai abandonné l'idée de tester une défense avec elle. Pour l'instant en tout cas. On verra peut-être plus tard. Mais je pense que ça sera plus d'actualité au moment où j'aurai suffisamment d'emblèmes pour qu'elle puisse être dans une défense. Alors, je vais rester en jaune là-dessus. Je vais rester en jaune parce que Elfric, parce que Azacine, elles font trop mal toutes les deux. J'aimerais bien m'en débarrasser rapidement. Jaune qui arrive ici. Ça, c'était pas prévu et ça commence à puer du cul. Un peu trop de vert à mon goût. Un peu trop de vert à mon goût. Puis là, ça, il y a tout le monde qui va déclencher, là, c'est mort. C'est mort. Et en particulier elle. Oh, c'était qui tout double. C'était qui tout double. Forcément, je peux pas utiliser mes trucs. C'est mort. Allez, suicide. C'est un combo qui peut être sympa. Alfric et Sif. Ça peut franchement être plutôt pas mal. En attaque de ruée, c'est vraiment fort. Bref, bon, bah voilà, c'était pas top. Après, honnêtement, en ce moment, j'ai pas envie de jouer les trucs à fond. Donc, je m'en fous un peu, c'est pas grave. Voilà, bref, on va quand même essayer de continuer un petit peu ce tournoi. Bah, donc, je vous dis à demain. Allez, ciao.